Dieu, cette tête de cacahuète et cette voix. Putain, c'est de pire en pire. Hello tout le monde, j'espère... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh putain de merde, oh là 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 là. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 15. J'ai une voix, j'ai les oreilles bouchées, je ne vous entends même plus. J'ai une gueule, j'ai passé une nuit. Ah, oh, je viens seulement de parler, j'ai les yeux éclatés. J'ai passé une nuit, t'as peur. Une catastrophe. Cool, il est 8h30. Je me suis levée tôt pour faire mes ongles parce que là ça devient urgent, surtout pour cet ongle là. Les autres ça va, mais cet ongle là il devient un peu casse-couille. Du coup, bah, je vais les refaire, je vais installer tout le matos, etc. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Bon, déjà je dois faire mes ongles, ça va me prendre beaucoup de temps. Et ensuite je vais rejoindre mes amis de mon master pour faire le projet en individuel en recherche, celui que vous avez répondu sur les signes astrologiques, donc comment vous êtes au travail, etc. Donc il faut que je fasse ça, j'essaie de vous montrer le résultat, j'espère vraiment finir aujourd'hui parce que j'en peux plus, je sais même pas faire les choses, donc ça va être un peu compliqué. Ensuite j'ai cours de droit, et après le cours de droit on va aller boire un verre et peut-être regarder le match, etc., etc. Donc voilà le programme de la journée, je sens que ça va être drôle. Et puis bah go se préparer. Je me suis fait des nattes. Comme ça j'aurais des cheveux ondulés déjà. Je suis vraiment pas du matin et je me lève comme ça le matin très tôt pour faire juste des ongles. Mais Elisa... Donc voilà pour la tenue du jour, j'ai plus du tout de voix, c'est horrible. C'est une robe qui vient de chez Shein avec une petite ceinture qui vient de chez Shein. Mes bottes aussi je crois qu'elles viennent de chez Shein. Collant de chez Primark. J'ai mis un cycliste au cas où pour avoir un petit peu chaud. Et j'ai mis aussi les deux chaussettes là pour pas que ça descende. Parce que là pour celle-ci à chaque fois elle descendait. Donc j'espère que ça va fonctionner aujourd'hui. Donc voilà pour la tenue. J'aime beaucoup. Je sens que je vais avoir chaud. Puis bah, avec les cheveux ondulés comme ça j'aime beaucoup. Donc là je vais prendre mon ordi etc. Je vais faire mes ongles et après je vais partir à la fin. Merci de m'avoir apporté un bol. Je suis choquée, déçue. J'ai chaud. Je suis en train de mettre mes vidéos sur YouTube, mon YouTube perso, pour que mes amis puissent voir, parce que ça ne veut pas se mettre sur WhatsApp. Du coup, je mets là-dessus, j'ai fait déjà l'introduction, donc elle est bonne. Et là, maintenant, pour les persos aussi, je suis en train de le faire. Et j'attends le retour. Je sais qu'il y a des améliorations à faire, mais je ne sais pas encore quoi. Oh là là. Tu sais que je marche comme une grosse dinde, et pourtant, quand je filme, genre c'est moche, mais il y a un stabilisateur de ouf. Stabilisateur. Du coup, c'est... Ouh. Du coup, café gratuit, on adore. Petite amphi. Pete, ça s'appelle le karma. Le tu sais, il faudra encore payer d'autres cafés pour un meilleur karma. Vous vous rappelez quand vous êtes entré ici? Alors, allez, à jouer. Deuxièmement, vous permettez de terminer par ce comment je conçois mon boulot pour l'université, spécialement à l'EMS. D'abord, vous donnez des racines. Deuxièmement, vous donnez des ailes. Vous devez penser par vous-même. C'est ça le but de ce cours, d'accord? Ne pas penser comme tout le monde. Si vous pensez comme tout le monde, vous ne pensez pas du tout. C'est ça le cours, d'accord? Et c'est les racines profondément mises dans le sol. Vous allez tenir, avoir l'opinion qui est personnelle, pas l'opinion commune et l'opinion du café de commerce. Ça, c'est, il faut tenir debout. Ça, c'est les racines pour vous donner des ailes. Vous êtes encore académique, universitaire, mais c'est pas un reproche. Vous êtes des petites chenilles. En M2, la petite chenille va se transformer en papillon. C'est ça notre but. Vous donnez les moyens intellectuels de voler parfois, de terminer par ce qui me paraît le plus important dans une vie. Vous avez votre âge, ce n'est pas un défaut. Mais ça passe. À votre âge, on a des projets de vie et
parfois la vie vous use et vous oublie. Alors je terminerai par une citation que vous connaissez peut-être, mais qui a illuminé ma propre vie. Ayez toujours assez de musique en vous pour faire danser votre vie. Voilà, à bientôt. Sympathique, pouvoir regarder le foot, c'est flou, je sais. C'est mieux. Tu me fais ça bien. Bah, je te fais. Non, c'est dans le mauvais sens. Mais non, c'est bleu, blanc, rouge. Comme ouais. Ça et comme ça. C'est bon? Regarde, il fait ta faim. Il était 2h du mat, il m'a réveillé. Ça va? Non. Et t'en veux comme ça? Non. Ah, mais attends. Je fais un chagal. Ça, c'est ma. Ah, c'est stylé! C'est stylé, voilà. Je suis impressionniste. C'est stylé, mais c'est toujours dans le mauvais sens. Ah hein. Oh, non, c'est pas de moi, il n'y a pas de sens, c'est un cercle ça. Ah oui, mais le bleu. Ouais, bon. Non, tu me fais un vrai rousse que j'ai malheureux. Et ouais, il y a déjà 1-0, ça fait même pas 7 minutes. Bon, écoutez ce silence. Je n'ai plus de voix. C'est une catastrophe. Déjà, j'avais plus trop de voix là ces derniers temps avec ma gorge. Mais là, c'est une catastrophe. Je suis en train de lutter pour vous parler. Je vais aller me prendre du miel. Je vais manger le kilo de miel, c'est pas possible. Et je vais essayer de me faire un thé, une tisane, je sais pas. Je suis vraiment fatiguée. Je vais pas monter la vidéo ce soir parce que vraiment, j'ai envie de me reposer. Mais en tout cas, on a vraiment trop bien rigolé. J'étais avec donc deux personnes de mon master. Et les autres personnes, c'était des masters d'autres masters en fait. C'est des GEAI, pour ceux qui connaissent la Sorbonne, c'est des gestions d'entreprise à l'international ou je sais pas trop quoi. Et franchement, ils sont vraiment au top et tout. J'étais la seule meuf, comme d'habitude. Hein. De toute façon, toutes les soirées, je suis tout le temps la seule meuf. Il y a que des mecs à chaque fois. Et vraiment, c'était pété par, c'était vraiment trop trop bien. Je les aime énormément. Ils sont très très cool, très chill, très posés. On peut parler de tout avec eux. Je ne vous ai pas montré mes ongles. J'ai fait un petit rouge. Par contre, le nude que j'ai utilisé là, il est pas très nude. Je me suis trompée de couleur. Ça fait un peu trop marron, beige. Et ça fait pas nude. Je sais pas si à la caméra on voit ou pas, mais. Enfin, c'est pas nude comme j'ai l'habitude d'avoir, ça fait plus marron. Alors oui, il y a peut-être un drapeau qui est complètement à l'envers, je ne sais pas lequel. Parce que vu que vous avez l'image inversée, je sais pas. Ouais, on s'est fait plein de dessins, c'était n'importe quoi avec mes amis, c'était trop cool. Du coup, j'ai avancé pour Walking Dead. Là, j'ai fini en fait l'introduction en Walking Dead et le personnage. Donc j'ai fini ça et je commençais un petit peu à faire les variables et tout. Ça me prenait un peu de temps. Donc il manque plus que ça, la conclusion, les célébrités. Donc je vais faire ça, je pense, demain. En même temps que la programmation des trucs pour les signes astrologiques, là, que je vous avais parlé. J'espère que tout est clair. Je sais que c'est un peu brouillon et tout ce que je vous raconte. Et que s'il y a des gens qui arrivent comme ça sur la chaîne, ils comprennent pas forcément. Voilà, on va essayer de faire ça demain, le projet là, individuel. J'espère vraiment que je pourrai retrouver déjà ma base de données parce que je l'ai perdue. Je n'ai pas pu faire mon truc aujourd'hui parce que j'ai perdu ma base de données. Donc c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est embêtant. Donc j'espère retrouver sur l'iPad ce soir. J'allais vous quitter sans vous montrer ce que j'avais reçu, le calendrier de l'Avent. Alors ça, je suis super contente parce que j'ai jamais testé. C'est donc de My Muesli. C'est pour faire des gâteaux au chocolat. Donc on testera dans des vlogmas. J'ai reçu aussi du chocolat. J'ai reçu de Yestal ce petit lip balm. Il est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec la qualité de la caméra, là, c'est une catastrophe. Mais il est vraiment super bien. Je le connaissais déjà. Et il est excellent pour les lèvres. Chez Rituals, j'ai reçu des lingettes nettoyantes, je crois. Donc, trop trop cool. Un autre lip balm de chez Mademoiselle Bio.
et une crème hydratante de chez Typologie. Et voilà, je vais aller me poser dans le canapé avec mon petit thé. Je vais aller regarder des vidéos YouTube, plein de vlogmas, parce qu'il y en a plein que j'ai loupé. Je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À vous abonner à mon compte Instagram, je vous fais des petites stories tous les jours. N'hésitez pas à les checker, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus.